Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors comment vous allez? Je vais bien. Ça va très bien? Oui monsieur. Alors vous venez d'où comme ça? Vous êtes jolie, hein? Je vais voir quelqu'un rapidement. Ah, et pourquoi vous faites la timide? Je sais que vous n'êtes pas timide. Et vous venez de quelle planète? Neptune? Vas-y, il n'y a pas de pareille beauté sur la Terre. Hein? Ah, c'est gentil. Elle est sur la Terre là, c'est les nouilles. Vous comprenez? Déjà que vous le reconnaissez, c'est bon. Ouh, je suis sûr que vous venez d'une autre planète. Non, monsieur. Alors là, moi, je me présente. Je m'appelle Métis Le Grillon. Je suis ambassadeur hongrois près le Bénin. D'accord? D'accord, je suis venu pour une visite ambassadrice. Vous voyez un peu? Donc, je ne dis pas trop ici. Je ne sais pas si on peut échanger nos contacts parce que votre allure me sidère. Non, monsieur, merci. Je suis déjà occupée. Vous êtes occupée? Oui. Même pas qui? Qui a eu la vilaine posture d'occuper une telle beauté? Dis-toi. En tout cas, la personne n'est pas comme vous, tcha. Oui, il ne peut pas être comme moi. Moi, je suis un ambassadeur hongrois. Il ne peut pas être comme moi. Donc, parlons sincèrement. Oui. Je veux votre numéro. C'est pas possible, monsieur. Fais tout pour que ça soit possible. Non, monsieur, c'est pas possible. Ou bien c'est parce que je ne suis pas avec ma voiture? J'ai une limousine de classe A, hein? Peu importe ce que vous avez, monsieur. Mon homme me suffit. Ah, vous voulez dire que vous êtes fidèle? Oui, je suis fidèle. Kitty. Bonne journée, monsieur. Toi-même, bonne journée, salopard! N'importe quoi. Je suis occupé. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu ici? Jusqu'à j'ai sorti ma phase préférée. Qu'est-ce que tu fabriques comme ça? Tu as pris deux. C'est toi qui réclames l'argent. Tu réclames l'argent. Ça veut dire quoi ça? Vous ne travaillez pas, c'est vous qui réclamez l'argent. C'est quoi? Demain je viens. Regarde vite là, ça veut dire quoi? Hé gros, viens ici. Viens ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu fais un truc là? Tu amènes ta copine sur le chantier. Bonsoir, elle est venue maintenant. Oh, vraiment. Ça va? Bonsoir, Vauté. Chef Mason. Oui. Mais mon travail n'évolue pas. J'ai envoyé 400 000 la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. La toiture, ça doit être déjà. C'est le problème du coffret, mais nous sommes en train. Oh, il va venir. Vous êtes sûr que c'est le coffret? J'aime pas la lue que mon truc prend. D'accord? Oui, ça va aller. Plus vite. Oui. C'est ceux qui travaillent ici? Oui, c'est sur ton truc. Qu'est-ce que c'est l'affaire là? Non, vraiment. Hein? Comment on va gérer ça maintenant? Viens ici! Décapissé! C'est qui? C'est elle là. Viens ici! Tu vois ce que tu me crées? Venez ici! C'est qui? Ne vous inquiétez pas, ne vous fâchez pas aussi. C'est ma petite amie, elle est venue m'attendre pour la fin. Ta petite amie. Donc c'est... Toi, tu es un facochet, tu es un cornichon, tu es un misérable comme les misérables de Victor Hugo et c'est toi qui as des copines. C'est ça? Et c'est à cause d'un type comme ça que mademoiselle est en train de me renier. S'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas parce que vous m'avez fait des avances et puis j'ai refusé que vous avez parlé mal. Elle m'a dragué quand je venais te voir. Et a déjà piché. Ce travail, on ne respecte pas les gens. Putain, le chantier! Tu restes là. Regardez-moi ceux-là. Si, gros, j'étais trouvé affamé et je t'ai amené ici. Votre chef va être pour votre argent. Regardez-moi de n'importe quoi comme ça. Vous pensez que c'est l'amour qu'on mange? Il y a des gens qui essaient de manger l'amour. Ils se sont évanouis dans leur chambre. Socromol. Il paraît que vous bouffez mon argent. DJ Métis. MC Gros My Man.